Il y a du bruit, je ne sais pas si c'est une porte. Ah, ça doit être du commercial. 67-667. Allez, parti. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Si je ne me suis pas trompé, je suis bien sûr sur le bon truc. Là. Voilà, 73, Henri. Alors, je suis toujours embêté avec ton logiciel. C'est ça, quand on touche du nouveau matériel, le temps de le prendre en main. Non, mais tu dois avoir un problème de transfert pour récupérer, à mon avis, je sais pas. Explique-moi tout si c'est pas trop indiscret, mais tes salutations, bien sûr. Oui, tout à fait. Salutations, Thierry. Oui. Ben, écoute. Le problème, c'est que j'ai installé un logiciel de capture d'écran, et puis c'est un bon logiciel. Je soupçonne que ce logiciel a fait des modifs par rapport à mon logiciel de montage. Et puis, j'écoute, ça fait plusieurs fois, comme je t'ai écrit, que j'ai installé puis désinstallé Adobe Premiere. J'ai désinstallé le logiciel de capture d'écran. Écoute, c'est... probablement qu'en installant le logiciel de capture d'écran, j'ai causé un dommage quelconque qui affecte directement Adobe Premiere. Et puis là, Adobe Premiere fonctionne comme si j'aurais un pick-up dans un logiciel qui n'a pas de performance. Parce que j'ai installé Pinacle 17. Et puis, il y a Mike qui me salue. Salut Mike, je sais pas si tu écoutes ici. Bon, alors là, écoute, j'ai fait des montages ces derniers temps, mais ça a été pénible. Ceux que tu as vus dernièrement, là, c'est avec de la latence, tu sais, les babines ne suivent pas l'audio, tu sais, comment dire, il n'y a rien qui suit, hein, j'y vais par instinct, par habitude. Écoute, c'est tellement déplaisant de travailler comme ça. Fait que je crois que... En tout cas, j'ai parlé avec Guillaume, un ami français là, qui est ici au Québec, qui est installé, et puis qui se connaît en informatique, puis il dit, regarde, c'est très dur à trouver. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tout réinstaller, mon Windows 7, tout simplement, tout flasher, puis tout réinstaller, recommencer à zéro. Je salue Mike qui est également derrière. Il n'y a rien de branché pour moi. Ça sera pour une prochaine fois. Pas de soucis. Non, je ne connais pas du tout la chose, ouais. Donc maintenant, si l'autre personne peut t'orienter, maintenant, est-ce que vu que tu as déjà désinstallé deux fois, réinstallé, tu as toujours le même problème. Alors, comme tu précises, c'était tout par rapport à ta capture d'écran. Là, ouais, je ne sais pas comment t'as installé ce truc-là, comment ça se passe exactement, puisque moi je travaille pas comme ça, donc tu t'en doutes bien. Du moins pour le moment, comme j'ai pas encore relié les caméras directement sur Pinacle, là, il n'y a encore rien de fait, donc ça va encore être une sacrée galère tant que je trouve la mise en main. Maintenant, ouais, je sais pas du tout, là tu me poses une colle, il y a des choses, j'aurais pu t'orienter dans le truc, mais maintenant, ouais. Donc t'as Windows 7, c'est ça que t'as en version, André. Moi, comme je t'ai dit, hein, via Facebook, là, que je t'ai envoyé, j'ai fait la mise à jour de Windows 10, hein, et puis bah, je suis pas emmerdé avec, donc maintenant je te conseille pas non plus de l'installer, hein, mais je sais pas, ouais, faut aller voir exactement. Maintenant, ouais, je suis pas amené du tout à t'orienter dans ce cas, j'y connais rien du tout. Hein, qui se connaîtrait là-dedans, qui sait que j'ai dans mes relations, personne, quand je regarde bien. Puisque moi, tout ce qui est intervention sur le PC, là, quand il y a besoin, via un logiciel, je laisse la main au frérot, à Sébastien, là, avec un copain à lui, qui
connais bien là-dedans. Et puis bon, bah, ils font toutes les petites réparations à distance direct. Hein. Moi, je m'occupe de rien. Je leur dis à peu près ce que ça fait. Ils rentrent dans l'ordinateur, ils pivotent. Donc, ça fait même bizarre parce que tu vois les programmes s'afficher tout seul. Ils jouent là-dedans. Donc, automatiquement, il faut avoir confiance. Hein. Ça mérite d'être clair. Mais alors là-dessus, ouais, je pourrais pas t'orienter du tout. Maintenant que tu mets en capture d'écran, ouais, il y a peut-être un problème de compatibilité avec ton programme de montage, je sais pas. T'as peut-être mis le doigt sur un gros problème là, peut-être. Je t'entends le micro, André, et je salue Mike Roméo Sugar 055 qui est derrière, hein, avec un des utilités à toi, Mike, et puis à l'entourage également. Hein. Je suis adjudicé la direction de André, Spalma 001, 300 degrés là, actuellement. Voilà, je te retourne le micro, André. Maintenant, ouais, je pourrais pas trop, parce que je vois pas le truc. Parce qu'automatiquement, si tu fais une capture d'écran, tu dois envoyer ça normalement. Ah, tu l'envoies directement dans ton truc de montage, André, c'est ça? Non, pas du tout. Non, avec le logiciel de capture d'écran, une fois que j'ai terminé de faire ma capture, je sauvegarde en MP4, OK, ou en AVI, peu importe. Et puis c'est tout. Après ça, ben, je l'écris dans mon montage, comme n'importe quelle vidéo là, de caméra ou peu importe quoi. Là. Non, c'est pas dit. Je ne l'envoie pas directement dans mon logiciel de montage. Là. Ça me sauvegarde dans un. Il y a deux choix. Il y a MP4 et puis AVI. Mais je pense à ça. Je vais. C'est vrai, j'ai un autre ordinateur, un dual core quand même qui roule bien. Qui lui, le même logiciel est installé dedans, puis il fonctionne très bien avec Windows 7. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais, avant de tout formater, parce que si je fais une nouvelle installation de Windows 7, puis je réinstalle le logiciel de capture d'écran, puis il plante encore mon logiciel, puis là, j'ai tout formaté, puis réinstallé Windows 7. Oh my God! Bon, je fais ça pour rien. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais pour m'assurer que c'est qui le grand coupable, ce que je vais faire, je vais installer le capture d'écran dans l'autre ordinateur, voir s'il va planter mon logiciel de montage. Ouais, c'est avant de tout faire ça, avant de tout formater. Ouais, ça va, c'est lui le coupable ou c'est quelque chose d'autre que j'ai par hasard. Il y a quelque chose d'autre qui je sais pas quoi, qui a tout foutu en l'air avec mon logiciel. À toi, Thierry. Ouais, il y a des personnes qui se signalent derrière, mais je sais pas si c'est pour toi, j'en sais rien, c'était petit chez moi. Pas de soucis. Écoute, du tout, ouais, je vais maintenant, si t'as un deuxième PC, ouais, voir un machin. Mais bon, voilà, là-dessus, ouais, je fais pas tête d'une grande aide, parce que moi, automatiquement, même quand je fais une capture d'écran, tout est dans le dossier que je crée, quoi, hein. Je crée un dossier, je balance tout dedans, et ensuite, quand je suis dans mon logiciel Pinac, de là, je reviens dans le dossier pour réintégrer tout au logiciel, quoi, toi, donc c'est pas du tout les mêmes manips que toi. Donc je pourrais pas t'orienter sur ce genre de pratique du tout. Et ben, je te souhaite un bon courage, hein. Ça mérite d'être clair, hein. Donc voilà, ouais, ben, je sais pas, si t'as un deuxième ordinateur, ouais, ça aurait été le coup d'essayer dessus, voir s'il te fait exactement le même problème. Pourquoi pas, ça serait un bon truc à faire. Je te retourne le micro, en vrai. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Oui, j'ai trouvé le coupable. Est-ce que c'est le capture d'écran qui fait ça ou quelque chose d'autre que ça n'a rien à voir? Là. Ça fait que, ouais, je vais faire ça. Je vais installer le logiciel de capture d'écran dans l'autre ordinateur. J'en ai 7 ordinateurs tirés. Plus des iPads, plus. Écoute. Ouais, c'est ça. J'en ai beaucoup d'ordinateurs. Celui que j'utilise présentement, mais c'est mon plus récent.
l'année passée, là, le INSEP, qui est très musclé. Alors, il n'y a pas de... écoute, et puis ce qui est impressionnant, c'est que j'ai d'autres petits logiciels de montage, puis aucune latence, hein, que ce soit RVS, que ce soit Pinac, j'ai Pinac 17, et puis j'ai empilé plein de vidéos, puis il n'y a aucune latence, sauf celui que je suis habitué avec, là, le Adobe Premier Élément. My God! My God! Bon, ben c'est ça. Moi, je suis content de te parler ce matin parce que ça m'a permis de réfléchir sur le sujet. Je vais installer la capture d'écran sur l'autre ordi. Mais toi, je pense à ça, là. C'est, on peut faire entrer Mike dans le QSO. Toi, Mike, est-ce que tu as des connaissances en informatique? Bon, ok. Bonjour André, bonjour Thierry, bonjour à tout le monde. Donc il y a Dom 041, il y a d'autres personnes. Je serai bref, hein, je fais juste un passage, André, je vais quand même vous saluer. Les connaissances en informatique que j'ai ne permettront pas de te dépanner malheureusement. J'ai des connaissances informatiques, mais pas tellement dans ce domaine. Parle-moi plutôt de tableurs ou des choses comme ça, mais dans les montages, tu as pu voir, André, que moi je préférais tout vider en allant et pas trop m'attarder sur les montages. Et puis quand je fais des montages, ce sont vraiment des montages succincts avec le petit logiciel qui est dans les ordinateurs d'origine, Windows Live Movie Maker. Voilà, donc je prends pas de plaisir à faire des montages parce que j'enregistre beaucoup et derrière je veux pas perdre trop de temps à réaliser les montages et à louper des QSO. Je préfère être derrière le micro que derrière le PC à faire les montages vidéo. Voilà, donc je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider, c'est pour ça que je suis pas intervenu, je restais SWL. En tous les cas, André, félicitations pour la qualité audio. C'est vraiment excellent. Thierry également, mais bon, Thierry, je le prends en rétro, donc c'est pas pareil, mais j'ai déjà eu l'occasion d'enregistrer Thierry en direct. Vous avez des stations dignes de la BBC ou de la radio professionnelle. Ce qui en est de même pour Dominique qui est derrière, d'ailleurs. Voilà. Je te retourne le micro, André, je reprendrai pas. Hein. Je reste à l'écoute, mais je reprendrai pas. Je vous laisse dérouler le QSO gentiment. Et puis, il y a déjà énormément de monde à la porte, malgré que le QSY n'ait pas été donné en fréquence sur le 555, tu vois. Il y a quand même du monde qui a suivi et qui vous retrouve. Il y a encore des gens qui tournent le VFO et qui ne travaillent pas qu'avec les clusters, là, Hachi. Voilà André, je te retourne le micro, je salue tout le monde, amitié à tout le monde, pour ma part je reprendrai pas, je reste à l'écoute. À toi André. Ok, 100%, Mike, ouais. Ben, c'est pas la première fois que je me fais dire ça. Moi c'est certain que je m'écoute pas transmettre, mais en tout cas cet appareil-là, le Anand, j'utilise présentement le SDR, un peu partout, hein, où je vais, il y a toujours quelqu'un qui dit « Hey, waouh, l'audio! » Que ça doit être un petit peu mieux que le ICOM à l'époque, l'année passée, quand je travaillais avec le ICOM, le CML6. Ouais, puis effectivement, Dominique aussi, hein, il y a un bel audio, hein, bien enrobé. ouais, puis mais moi j'aime bien aussi l'audio de Thierry, hein, avec le E2 Plus, là. Ouais, parce que l'audio, on a fait le test, là, sans E2 Plus, puis avec E2 Plus, oh my god. Mais moi aussi, quand j'utilisais E2 Plus sur mon e-com, c'est exactement ça. Alors, tiens, on va faire entrer dans le QSO. Dominique, vas-y, Dominique. Ouais, ok, André. Ben, écoute, je te remercie beaucoup, 73, très content de t'écouter. Je salue, bien sûr, Mac, 055. J'entends par la rétro, hein, et enfin on est proche voisin aussi. Hein. Puis Thierry que j'entends tout petit, l'antenne est très sélective. Hein. Bon, là, je suis en train de me préparer, de m'habiller. Je vais faire ma petite sortie de vélo, je profite que la météo est propice, je vais partir pendant 2h30. Hein. Et je vous ai entendu avant de grimper sur le vélo, j'ai entendu le QSY.
Je me suis dit, tiens, j'allais faire un petit bonjour à André, hein, et donc pour nous, ça sera le premier peut-être depuis plusieurs mois maintenant. Et toujours très content de pouvoir vous écouter, les amis. Hein. Voilà, je transmets mes amitiés au SWL s'il y en a, et donc je ferai qu'un bref passage, puisque tu comprendras très bien que, étant en préparation pour faire la petite randonnée en vélo, je ne vais pas pouvoir rester derrière le poste radio. Hein. Voilà, André, je suis en face de microphone, en tout cas t'es 59, 57 au plus petit, 59 en moyenne, et si tu m'as fait des points, t'as plus 25 dB tout à l'heure. Hein. Voilà, je te repasse le microphone, André, 001 André, 041 Dominique, là, qui vous salue tous, bien entendu. Je reste encore quelques minutes à l'écoute et après je prendrai congé du QSO, bien entendu. Retour, André. Si mes souvenirs sont bons, Dominique, touche sa vie sur les PC. Hein. C'est pas pour mettre la zizanie, mais vas-y, André, pose-lui la question, des fois, avant qu'il soit là, et s'il peut t'orienter. Bah oui, mais est-ce que toi, tu t'y connais en informatique, Dominique? Oh, très 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 peu, André. Hein. Ouais, j'ai écouté le début du QSO tout à l'heure avec les soucis de programme, etc. Voilà, je suis incapable de te dire que c'est le mieux que tu veux, André. J'ai l'impression de me dire qu'en tout cas, c'est décevant parce qu'il y a environ deux semaines, là, le logiciel, il n'y a aucun problème, pas de latence, tout va bien. Puis là, du jour au lendemain, un bon matin, pouf, ça fonctionne plus, ça ne veut plus fonctionner. Puis toi, ben, tu arrives ici également, pas le même signal, c'est du 59 et quelques dB, mais ça varie, ouais, ben, c'est ça, la bande, hein, elle est en dents de scie, hein, ça monte, ça baisse, ouais, c'est ça. Ce matin, j'étais en QSO avec William, ça cartonnait, t'es monné, pouf, il a disparu. Fait que c'est pas stable, la bande. Ok, Dominique, alors bon vélo, merci pour le coucou, et puis prends ça, Thierry, pour saluer Dominique, mais après ça, on va peut-être faire rentrer sur le Dada 200 qui est en arrière. Là. Vas-y, Thierry. Ok, merci pour le retour de micro. Bah, Dominique, on a déjà fait le QSO tout à l'heure, donc on s'est déjà passé les cordiales stupidités. Et qu'il a transmis au niveau de l'YL aussi. Ouais, non, je pensais que Dominique, il allait pouvoir s'orienter là-dedans, parce que bon, il est. Apparemment, il n'est pas plus. Non, c'est des grosses montages. Mais je pensais qu'il. Comme il avait fait des montages photos, tout ça de son côté, donc je pensais qu'il savait comment s'orienter, mais bon, toi, il est comme moi, hein. Il est comme moi, et pas fort non plus. Pas trop fort non plus, donc voilà. Ah, bah écoute, pas de soucis. J'ai rectifié un truc, je passe pas par les couplas. Hein. J'ai pas des couplas, c'est juste le W2YY, c'est tout. Hein. J'ai pas le boîtier en dessous, là, comme toi tu avais, ou que tu as toujours, et que Dominique possède aussi. Lui, il passe par les couplus. Hein. Il a la W2YY et les couplus. Moi, j'ai juste la W2YY, hein. J'ai pas l'autre boîtier en dessous. Voilà pour la rectification. J'ai entendu quelqu'un appeler aussi, donc bah, écoute, je te retourne le micro et puis bah, je salue les éventuels écouteurs également. Hein. Retourne le micro. Hein. Oui, 100%. Ok, toi, tu as juste le 8-band equalizer. Ok, tu n'as pas les Q-plus. Ouais, ok. Plus. Ouais. Ok, bon, ben, on va y aller avec. Sergio Delta 200, toi le micro, mon frère. Ok, salut André, le 73, le 14, c'est bien Delta 200, Régis, là, toujours sur la mienne, bien heureux de t'écouter. J'espère que tu as passé une bonne année. Et puis je salue Thierry et Mike de là. Voilà, comment on peut dire. Ben oui, bien le bonjour, bon après-midi, puis t'arrives bien, ben tout le monde a des bons signaux, hein, c'est de 56 à 59, là, vous là-dedans. Toi, Régis, c'est autour de 58-59, c'est un peu comme Dominique tout à l'heure, ou même Mike, ou toi, ben Thierry, j'ai pas regardé, c'est au moins ça. En tout cas, donc, ben oui, je vis ce problème-là pour le moment. Donc,
Donc, je ne fais pas de montage. Là, j'aurai quelques vidéos à monter, là, des petites vidéos, là, pas compliquées. Mais à cause de ça, à cause de la latence, là, ça me donne mal au cœur. c'est pas plaisant, c'est pas intéressant de faire du montage dans des conditions comme ça. Oh non, faut trouver le problème, puis je vais le trouver. Voilà. J'ai aussi un ami technicien qui, lui, est occupé. Comme c'est un problème particulier, c'est pas... je sais bien que si je lui demande, il va m'aider, mais bon. Je vais lui lâcher un coup de fil, mais bon. Comment dire, donc je vais tout faire pour le trouver moi-même, sinon, ben, en tout cas, on verra. Bon, ben c'est bien ça, ben moi, je ne restais pas plus longtemps sur la radio, il est 10h du matin ici, je vais aller casser la croûte, et puis, ben, je suis heureux d'avoir écouté, parce que tout à l'heure, sur le 555, Thierry, là, j'étais venu voir s'il y avait un peu d'activité, je me suis fait prendre à mon propre jeu, je voulais aller déjeuner. Bon, ben là, je vais y aller, fait que merci pour le QSO, merci Régis. Merci à vous tous qui vous êtes présentés. Puis alors, je retourne le micro, Thierry. Et puis après ça, ben, je vais quitter, je vais aller casser la croûte et puis faire des essais sur l'autre ordinateur après avoir cassé la croûte, savoir qu'est-ce que je fais. Je réinstalle tout ou quoi. Voilà, à toi Thierry, le micro ici, 9 Alpha Lima 001 qui t'écoute. Ok, bon, pas de soucis, merci pour le retour, André, hein. 59-10, 59-20, ça bouge pas, ça bouge juste 59-20, 59-10, donc il n'y a pas de perte de mon côté, c'est impeccable, hein. C'est très fort, très bonne qualité, donc nous changeons. Puis bah, courage, hein. Je sais ce que c'est, hein. Généralement quand je relance le mien, puis je réinstalle tout, puis je mets en format sortie usine, j'en ai pour 2 jours, hein. Mais bon, c'est pas pareil que si tu fais autre chose, mais non, normalement ça devrait être bon. Parce que tu fermes le tout, réinstaller et tout, machin, tu mets du temps, finalement. Mais voilà, courage à toi, c'est pas pour te mettre la pression, mais j'espère que tu vas trouver ton bug là. Et puis revenir on va dire au taquet au niveau transfert et puis de montage. Ouais, moi je fais pas les captures d'écran, j'ai jamais fait, il faudrait que j'essaye voir si je peux. Il me semble qu'avec Pina je peux le faire aussi, peut-être pas d'écran, mais quand tu fais un montage, tac, récupérer, enregistrer, tac, prendre en photo un truc. Mais par contre, ouais, pour sur le PC, là, je sais même pas comment on fait pour une capture d'écran, donc tu vois, je ne suis pas encore penché sur le problème, donc bon, on verra bien. Je tenais à saluer également Régis, hein, 44 Régis sur l'antenne actuellement. Donc les cordes tu les tiens toi, puis à l'entourage si tu le permets, hein. Non, pas de soucis, André, bah écoute, bon appétit à toi, il est 15h chez nous, hein. 15h02 maintenant, donc voilà, moi le gastro est déjà fait, et puis bah voilà quoi, j'ai rien d'autre à rajouter, donc là c'est encore en train de transférer, hein, les vidéos que je suis en train de te balancer là, donc apparemment c'est la plus grosse là qui met, hein. Donc t'as déjà dû recevoir les photos et les premières vidéos, et là c'est la plus grosse, hein. Bah, c'est dans les 600 et quelques vidéos, donc c'est tout ça, ça prend un peu de place, un peu de temps pardon, pour te l'envoyer là actuellement. Il reste, puis j'ai regardé, il reste plus celle-là à transférer, comme ça tu vas pouvoir t'exploser et voir les conditions qu'on avait là-bas sur le fameux moulin. Donc, pas de soucis, André, 73 à toi, les collectivités, à l'entourage, si tu es fermé, je fais de l'île de mes côtés. Et puis bah, je renvoie aussi sur Mike, hein, je vais renvoyer sur Mike, c'est pour qu'il te dise les collectivités de départ, et puis peut-être sur Dominique également avant qu'il s'en aille. Voilà, Mike, c'est mes co-retours. Bon, mais Mike, il voulait pas venir. Bon, ben c'est ça. Ok, ben moi je vais quitter. Salut Régis, et puis je vais aller. Ben c'est ça. Peut-être il y a de bonheur, quand même. Peut-être un petit peu tard dans l'après-midi. Je vais peut-être avoir du temps, on va peut-être se saluer. Fait que je viendrai sur la fréquence. En tout cas, je vais faire mon test après le déjeuner là, avec le logiciel. Là. Puis, les captures d'écran, pourquoi c'est important pour moi? C'est parce que je ne peux pas filmer l'écran.
On peut prendre une photo d'écran mais filmer, là, c'est compliqué. Alors je suis obligé d'utiliser capture d'écran pour filmer mon radio. Mon radio, le Anam, mon SDR, ben c'est un écran. Quand c'est le 5006 ou comme toi, ton 5008, tu mets une caméra sur ton appareil, puis là, ben, tu as le S-Mail, tu as plein de trucs. Mais moi, là, c'est le logiciel qui est le radio. Et c'est là qu'il le respecte et puis toutes les informations, le panel adapteur, voilà. Fait que c'est pour ça que ça me fait pour que je fasse des captures d'écran pour faire mes montages. Voilà, Thierry, c'est tout maintenant. Ok, je te laisse, Thierry, Régis et tous les autres qui écoutent derrière. Moi, je vais à QRT. Bye bye. Ok, salut André. Un petit peu de je suis à la caractère du front, en plus tard, pendant des professions de la place. Ma bonne matinée, ma bonne veille, à bientôt, André. Ok, Régis, ben, tu captes 5-9 constants ici, très solide. Thierry est un peu plus haut, là, sur le gain d'antenne, c'est bien sûr, là, il est entre 10 et 20 dB tout le temps. Oui, il y a des choses pocketeliques qui se passent chez Thierry. Là, il y a des affaires d'extraterrestres, je ne sais pas trop. En tout cas, ça cartonne. Ok, bye bye, Régis. Ouais, salut, André. Et en vrai, c'est normal que Thierry cartonne fort. Hein. C'est une antenne de chez Signal Engineering. 73, en vrai, c'est Dominique. La bonne fin de matinée. Bon appétit pour tout à l'heure. Oui, il y a des choses extraordinaires dans cette antenne-là. Oui, Signal Engineering. Tout à fait, Dominique. Mais ça a été retouché, hein? Ah, disons que c'est une Cubex transformée Signal Engineering. Donc ça reste quand même américain. Hein. Voilà, André. Merci encore pour le QSO. Salut Régis, que j'entends tout petit derrière, hein, avec les 73 dans sa direction. Et moi, j'embourche la bicyclette, là. Je vais aller dépenser quelques calories pour rester en bonne santé, là. 73, André, à 73, Siri. 73 aux stations à l'écoute, ici 14, Zulu Kilo 41, Dominique, là, qui termine. Vas-y, retour, Siri. Dominique, il a trouvé un nouveau nom, hein, pour mon antenne, hein. C'est la T-Rex, hein, donc voilà pourquoi... ouais, c'est la Cubex, mais comme ils l'ont modifié, on l'a surnommée la T-Rex. Voilà, tu sais tout, en fait. C'était une surprise que je voulais te faire, mais voilà. Moi, maintenant, mon antenne, c'est la T-Rex. Allez, 73, et puis bon gastro. Ouais, ben écoute, ça paraît parce qu'elle performe ton antenne. Moi, Cubex, personnellement, j'ai jamais aimé Cubex, là, comme quad, là. Je peux faire des fabriquer mon ligne. Ouais, c'est ça. Mais on peut acheter une Cubex pour avoir la tuyauterie, les tuyaux. Ben, après ça, on met ça à notre main. On en fait des T-Rex. Ok, bye bye tout le monde. 9 Alpha Lima 001 QRT. Ok, 73 André, hein. Il y a toujours des mauvais coucheurs sur la fréquence. Entre la messe et puis les machins, je sais jamais ce qui se passe. Ok, 73, à bientôt, 59, 20, dernier passage. Donc, bonne journée. Et puis plus tard, je vais vous envoyer également, c'est que c'est un petit peu. Ok, bye bye.